Djebe, ma chanteuse. Quand tu dis diva, pour le moment, tu es une kiza. Tu es une kiza musclée. Une plaqueuse de foyer, une briseuse de famille. On dit au papa, Marie, c'est pas bouteille de gaz. C'est pas bouteille de gaz. Mais Marie, quand tu savais qu'il était en couple, même s'il n'est plus avec sa femme, que tu sais qu'à son froid, ça peut exister. Ça fait 20 ans, 15 ans, une personne, quand ça va plus, il a sa maîtresse, il a sa femme sait que, ah, il a refait sa vie à une autre personne. Mais quand cette personne était publique, elle essaye, elle sait que tu es une chanteuse, elle sait que son mari c'était un footballeur. Donc elle essaye de garder son calme depuis plus de 4 ans sur la toile. Vous allez venir faire des postes minables avec des sociaux, des médias sociaux microbes, médiocres, en disant que Aline, elle était infidèle. Donc c'est la seule chose que tu as pour te défendre. Comme elle était infidèle aux yeux, on n'a pas vu son infidélité. Mais toi, tu as fait infidélité à un drapeau. Toi, tu as pensé qu'il même si infidélité. Tu as fait infidélité à un sticker. Infidélité à un brassard de capitaine. Infidélité à enfant. Toi, tu as fait foyer dans foyer. Tu as fait enfant sur enfant. Est-ce que tes enfants se connaissent même? Est-ce que tes enfants, t'es des nombreux maîtresses, et puis les enfants d'Aline se connaissent? Ben non, ils ne se connaissent pas. Parce que où tu es là, tu sais même pas aujourd'hui tes enfants ils portent quoi. Ta première fille, c'est même pas si elle a ses règles. Tu sais même pas comment tes enfants vont à l'école. C'est même pas ce qu'ils mangent. Tu es en train d'appeler. Quand tu appelles ta femme, Aline, c'est pour la négocier. Pour la négocier, pour ne pas qu'elle vienne sur les réseaux sociaux pour casser tes papos. Tes papos sont tellement vilés. Tes papos sont froissés. Quand tu regardes, on sent même que tu n'as pas quelqu'un qui chiait, qui tirait pas l'eau. Hein? Non, mais tu es décevant quoi. Et t'attends, hein? Je suis dans le début du film. Et fini le mois et tu vas débuter l'autre mois et toi. Tranquille. Mais quand tu prends tu tes poulets là, il est assis dans ton poulet. Où est-ce que tu piqué? Et vous êtes assis moisi. Donc il y a même à galère sur toi. Et puis quand il a ouvert ton poulailler là, il a mangé toutes tes poules. Il a fait ça, tchon. Il a grillé, il a balancé les cuisses à mes abonnés ici dehors. Mais tu prends tu es un maudit. Tu n'as même pas honte. Mais Mougou ta star, Mougou ta chanteuse, faites votre vie. C'est ta deuxième femme. Ah, on veut attendre que c'est ta deuxième femme. Mais si tu l'aimes trop, marie-toi. Tu as peur de la marier ou bien? Hein? Tu as peur de marier le bateau musical là? Mais marie-toi, elle est plus libérée, Aline. Tu es en train de promener, on dirait un vampire pour aller dire. Non, elle était infidèle. Bon, elle est comme Aline est infidèle. Toi, tu n'es pas infidèle. Elle est un maudit comme toi. Toi, tu passes au temps à faire les enfants dehors. Tu veux dire que ta femme est infidèle. Marie-toi, elle est le bateau chanteur. Marie-toi, elle est le bateau musical. Et nous, les choristes, on va venir mouiller tes poulets. Dis-moi, mouiller ton poulet. C'est moi qui dis ça. Mes abonnés. Préparez, chauffez l'eau. On va aller déprimer son poulet au poulailler. Demain, rendez-vous des poules. Tu es grillé poulet là pour en direct et puis mets ton poulet. Tu es méchant, mon frère. Fais ta vie avec ta chanteuse. Mariez-vous. On veut voir les bouquets de fleurs. Oh, ils ont fermé la bouche des gens. Oh, ils sont mariés. Et puis on l'a fermé. Comme ça, Aline va savoir que tu es vraiment parti pour de bon. Mais pour le moment là, tu négocies chez Aline. Et puis tu es dans le. Tu es l'autre côté là-bas. Entre à elle, le petit chanteur. Le maintenant, tu es la Vierge Marie. C'est-à-dire que tu es ta femme. Tu sais qu'Aline, c'est un diamant. Aline, c'est un diamant brut. Sans tchat, sans chirurgie. Elle est belle jusqu'à elle est debout comme une vraie femme ivoirienne. Tu tournes, tu ne peux pas la laisser. Tu es capable de venir dire aux yeux du monde que c'est fini entre moi et Aline. Mais quand tu viens parler, non, je respecte Aline, c'est la mère de mes enfants. Mais quand tu parles de l'artiste, non, je vis à elle maintenant. Mais tu ne dis pas que tu as fini à l'autre. Donc l'autre, Aline, c'est dit que vous êtes deux. Elles sont deux. Elle se dit qu'elles sont deux. Mais toi, tu es là, tu te joues les zombies, tu te joues les maudias, tu te joues les zombies, tu te joues les maudias. Comportement des chats et puis la souris. Fais ton mouvement, jette ta sale gamme. À cause de ton sale comportement là, tes collègues là, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas d'amis footballeurs. Ça dit que tu n'es pas la part des camarades, une camarade de l'artiste va venir pour dire, ah, aujourd'hui là, l'artiste vous a invité à son chéri. Quand tu as ta camarade qui a marié un bon gars, il vous explique. Quand ta camarade a marié un bon gars comme ça, là, quand il dit, on dit, mon mari à ses amis là, tu es content, pas, il sait que, ah. Ta camarade est mariée, un babaché, dont les amis de son mari, c'est les babachés, ont parti. Mes copines, la copine même dit que mes copines a bien ou bien, chacun qui veut pour elle ici. Ou mais quand ton mari, ta camarade est mariée, un footballeur comme ça, là, elle vient ici, elles sont mariées, elles sont milliardaires. Quand on fait les soirées comme ça, elle dit, ma petite, il faut bien t'habiller, les amis de mon mari arrivent, c'est les babachés, tu veux pêcher pour toi, ils veulent payer une maison pour toi. Toi là, l'artiste va éviter qui? Quand elle évite ses copines là, elle va payer les fourchettes, les cuidants. Mais quand tu es honte, on est là. C'est-à-dire quand l'artiste va éviter ses copines là. C'est un cuidant, on venu cuidant. Cuidant. Mais après toi, c'est le poule. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de camarades. Elle va venir dire que nos copines nous a invités. On dit que les copines de l'artiste, non, elles sont copains footballeurs là, non.
Donc ses amis sont là. Et on va dire à chacun son footballeur, mais vous pouvez vous dire que pour elle. Elles arrivent là-bas, oh, c'est le poulet qui sont sur la table. Et assis là-bas, un coq assis là-bas, une autre poule assis là-bas. On dit, mais où sont les footballeurs, où sont les amis? Où sont les amis de ton mari? On dit, ce sont les poulets. Parce que les amis ont béou. Ils ont tchala, ils ont tracé la route. Ils ont gagné un temps. Tu n'as pas de camarades. Toi, tes amis, ce sont les poulets et la tisse. Donc, elle n'a pas de camarades. Les camarades vont venir avec quoi? Ah oui, quand même là, on dit nos camarades mariés, un footballeur, ou bien un ancien footballeur, même pas, il n'y a même pas Kadek qui est assis là-bas. Il n'y a même pas Baki Kone qui est parti là-bas, tu as dit non, bonjour, Baki, voilà mon numéro. Il n'y a même pas Jervino qui est assis là-bas, tu as piqué un peu pour toi. Il est assis là-bas, et son Zougourou, tellement il est mauvais là. C'est-à-dire qu'il a pris la tisse en otage, mais même ses amis, il n'y a pas d'amis. Tu viens aussi, tu n'as quand même venu manger, pas bon numéro. Tu n'as même pas un bon plan même de gars, c'est-à-dire que toi, tu es le plus malot des gars même en plus. Le plus malin des gars. C'est-à-dire, non, sérieux. Écrivez soutien à Aline. J'aime le téléphone, vous allez appeler. J'aime le téléphone, vous allez appeler. Je vais m'asseoir, vous allez appeler. Ok. Donc je peux encore gérer. Excusez-moi, je vais descendre la caméra. Le truc là. Non, c'est bon. Une heure. Ouais, c'est bon, non? Comme ça, je prends 5 appels et puis si je coupe. Une heure de direct, une heure 21. Chérie, donne-moi le téléphone, s'il vous plaît. Appelez.